Anayo, nazali reconnaissante. Makambo asela ngaya minene nzambo yo. Na uti naliburu ya masumu abimisi ngayo. Esika nazala kiyaliwe abimisi ngayo. Mikona ngayi ya kofiwe koma kinde ya kotange. Pungina ngayi na butu kakabando twa mabe. Nanyako pesa ngaloboko moto na moto na oyaye. Je sais pas, Dieu me ramenait toujours à la raison en fait. Dès que je m'égarais, Dieu me faisait en sorte de me faire revenir dans. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de cette émission 5 à 10 minutes pour Jésus-Christ. J'ai un invité spécial aujourd'hui. C'est une charmante demoiselle. Et dans un J4 Cadence Infopromo, nous rencontrons des personnes formidables. Et avant tout, j'aimerais d'abord vous faire passer cette chanson, d'abord, ce clip qui s'appelle Yeshua, pour la gloire du Seigneur. Écoutez. Majesté, prince de paix, glorieux agneau de Dieu, Dieu vivant, tout puissant, souverain au sein des saints, Yeshua, nouvelle invitée qui s'appelle Bérénice. Bérénice, qu'est-ce qui t'amène ? Bonjour à tous. Je me prénomme Bérénice et je viens sur votre plateau car j'ai besoin de faire passer un message à la jeunesse d'aujourd'hui car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et il est grand temps de vraiment se mettre dans la prière. De vraiment se mettre du côté de Jésus parce que le diable est terrible. Ce qui nous attend en bas, ce qui nous attend après la mort est terrible. D'accord. Voilà. Vous êtes servante de Dieu, c'est ce que j'ai bien compris, vous êtes servante de Dieu. Et qu'est-ce que vous faites dans le service de Dieu ? Je chante, donc de l'adoration. Et je prie aussi pour des gens, pour des personnes. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais chanter a cappella une louange pour le Seigneur, qu'on puisse adorer le Seigneur avec toi ? Il n'y a pas de souci. Je chante de l'anglais. It is to you I give the glory. It is to you I give the praise. For you have done so much for me. And I will bless your holy name. It is to you, Holy Father, no one like you, and I will bless your name. D'accord, mais j'aimerais aussi que vous chantiez aussi une chanson en français, une chanson en français ou en lingala, voilà, qu'on puisse, que tous puissent un peu se reconnaître. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'aime quand même.
jamais entendu, mais je l'aime quand même. Il m'a donné sa vie, je lui donne la mienne. Il m'aime pour ce que je suis, c'est pour ça que je l'aime. Oh oui, Jésus, je l'aime. Oh, Jésus, je l'aime. Voilà, je sais que tu es une jeune sœur. Et j'aimerais que tu nous détailles un petit peu quels sont les genres de difficultés que tu as pu rencontrer qui t'ont empêché de continuer ta marche chrétienne. Alors, tout d'abord, moi, c'était plutôt l'argent. Parce que je me disais, voilà, dans la musique chrétienne, ça va pas trop buzzer. Voilà, nous sommes dans un monde où le diable l'emporte, malheureusement. Malheureusement, je suis navrée de dire ça. Donc, nous sommes attirés par l'argent, par la gloire. Et je l'étais aussi également. Mais voilà, comme... je sais pas, Dieu me ramenait toujours à la raison en fait. Dès que je m'égarais, Dieu me faisait en sorte de me faire revenir dans ce que je suis destinée à faire. Et quel genre d'égarement? Parce que là, on a besoin. Un G4 qui a dans InfoPromo et l'émission que j'anime, c'est beaucoup pour donner des conseils. Donc, quel type d'égarement as-tu rencontré où le Seigneur a pu te remettre dans le droit chemin? Alors. Moi, c'était voilà, je voulais en fait toujours plus. Comme Dieu a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Et je voulais toujours me surpasser, je voulais toujours avoir plus. Et le but n'est pas ça. Je voulais gagner le monde, or que c'est pas le monde qu'il faut gagner, c'est bien Dieu et la vie éternelle. Nous savons aujourd'hui que même les grandes chanteuses, aujourd'hui les Rihanna, les Whitney Houston, tout ça, ont commencé à l'église. Ils ont commencé à l'église et ils ont terminé dans le monde. Est-ce que tu ne penses pas que tu peux être attiré par cette affaire-là? Il y a toujours une attirance. On va pas se cacher, il y a toujours une attirance. Mais j'ai vite compris que la vie était éphémère et que la vie sur terre ne vaut rien par rapport à la vie céleste. Et ce que Dieu nous prépare, la vie que Dieu nous prépare là-haut est encore plus belle, encore plus radieuse que celle que nous avons ici. Et j'ai fait ce choix-là de suivre Dieu. Et je ferai tout, en tout cas, tout pour continuer à être dans cette élancée-là et faire la gloire de Dieu. Et essayer de pencher les jeunes de ce côté-là, parce que c'est le meilleur côté qu'il faut. Et voilà, là, donc Jésus est la vie, et la vie, le chemin et la vérité. Ah, Nayo, Nazali reconnaissante. Akambo asela ngaya minene nzambo yo. Na utina liburu ya masumu abimisi ngayo. Esika na nzala ki yaliwe abimisi ngayo. Mikona ngayi ya kofiwe koma kinde ya kotange. Pungina ngayi na butu kakabandoto amabe. Nanyako pesa ngaloboko moto na moto na oyaye. Ma chère servante Bérénice, aurais-tu un mot pour le peuple qui t'écoute? Qu'est-ce que tu aurais en plus à ajouter? Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à la famille de Marie Missamou elle-même, que Dieu apaise leur cœur. Et j'aimerais faire comprendre aussi à la jeunesse que la mort nous guette, que la mort est bien présente. Donc si nous voulons vraiment bien l'affronter, il faut être en Jésus. Il faut être en Jésus. Et ne pas négliger cela, parce qu'on peut, on peut perdre la vie à tout moment. Là, je suis en train de vous parler. Demain, je peux mourir. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. J'ai aussi un petit témoignage à vous dire. C'était le jour de mon baptême. J'ai été baptisée le 1er décembre 2013. Une semaine après mon baptême, je m'apprêtais à aller faire mon témoignage à l'église. Et tout d'un coup, j'ai fait un accident. Et nous étions 5 dans la voiture. Nous étions sur l'autoroute, c'est-à-dire nous étions à contresens. Donc les voitures arrivaient de l'autre sens. Nous, on est en train de tourbillonner, Et là, on s'est tous pris la main et on a crié le nom de Jésus. Et je vous assure
que la voiture s'est arrêtée. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que Dieu était bien vivant, que Dieu était bien là. Certes, on l'a jamais entendu, on ne l'a jamais vu, mais il est bien là et il nous surveille et il nous protège. Donc, confiez-vous au Seigneur. Laissez les choses du monde, c'est éphémère. C'est éphémère, les bijoux, les montres, les belles voitures, c'est éphémère. Parce que dans la tombe et aux cieux, il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas d'autoroute. Tu as à peu près tout dit, le message que tu as donné pour les jeunes. Et donc, pour finir notre émission, j'aimerais que tu puisses remercier les personnes qui t'ont soutenu, voilà, qui t'ont aidé à grandir déjà, être jusqu'à cette émission-là aujourd'hui. Quelles sont ces personnes-là que tu aimerais remercier? Alors, j'aimerais remercier tout d'abord ma maman. Ma maman qui m'a gardée 9 mois dans son ventre, qui m'a mise au monde, qui m'a élevée malgré les circonstances et qui a fait que je sois celle que je suis au jour d'aujourd'hui. Je tiens à remercier aussi mon compatriote Nastoli, car c'est grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Et remercier mes amis, ceux qui me soutiennent, ma famille. Et vous, bien sûr, Sandrine Bala, merci de m'avoir accueillie dans votre émission. Et voilà, je tiens à remercier aussi le président Patti, donc Patti Libondas. Et merci parce que c'est grâce à lui que je suis là. Et voilà. Voilà, vous avez vu, je vous ai présenté cette charmante demoiselle qui a pris la décision de servir le Dieu par le chant, parce que c'est le don que le Seigneur lui a donné. J'invite encore d'autres jeunes de venir dans NJ4 Cadence Info Promo dans 5 à 10 minutes pour Jésus-Christ, pour témoigner, parce que lorsqu'il manque du témoignage, les gens manquent de foi et se dirigent de l'autre côté. Donc vraiment, j'étais ravie encore de vous retrouver sur notre chaîne NJ4 Cadence Info Promo avec bien entendu Sandrine Bala, et je remercie. Merci aussi le président Patti Libondas, Nastoli aussi, ainsi que Samantha et Amanda La Duchesse, bien entendu. Et voilà, il y a très bientôt sur notre chaîne NJ4 Cadence, infopromo.com.